Le monde va vite, les réseaux aussi. Voici mon avis de Tic-Tic-Boom en 60 secondes. Injustement peu mis en avant en France, cette comédie musicale de Lin-Manuel Miranda a permis de mettre en course aux Oscars notre Spidey Andrew Garfield. Et à juste titre, en plus de mériter une nomination aux Oscars pour son rôle de loup-garou dans la communication autour de No Way Home. Romançant l'histoire de Jonathan Larson, pionnier dans le renouvellement du musical fin des années 90, le film questionne la volonté obsessionnelle créatrice et l'éternelle nécessité d'échouer, de se relever et de se réinventer. Si on accepte les grosses ficelles de la comédie musicale et la tendance au larmoyant facile de son réalisateur, les excellentes idées de numéros musicaux, dont l'analyse d'une dispute amoureuse comme un ballet de marionnettes, et l'implication de son acteur principal à 110% dans le rôle, convainc et offre un feel-good movie sur la réussite que représente l'échec. On saluera aussi la diversité de la bande originale, qui vous donneront l'envie de spotifier l'album à rattraper sur Netflix.